Bienvenue sur Atlas. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va permettre en fait de rester beau gosse dans ce monde de pirates. Donc, ça, c'est une vache. Ok. Donc, le serveur pop. Ok, on est parti. Donc en fait pour les ciseaux pour rester beau gosse, donc pour se couper les cheveux, la barbe. Donc l'idée en fait, c'est tout simple. Voilà, donc dans l'atelier vous allez dans l'arme et vous allez dans divers. Là vous voyez aussitôt il y a les ciseaux. On les fabrique. J'ai le serveur qui est en train de charger. Ouh, les cochons. J'ai la team qui a chopé là, des gemmes. Ok. Ok, donc une fois qu'on a les ciseaux, on les prend. Hop, on les a dans les mains. Parfait. Ouh. Voilà, c'est un petit peu plus beau quand même. On appuie sur la gâchette LT pour Xbox. Alors, à partir de là, on a accès à notre personnage. Et à partir d'ici, donc, on a la longueur des cheveux. Hop. Voilà. Maintenant, on va attaquer la barbe. Hop. Donc, la barbe, on voit, c'est en haut. Cheveux. X, barbe, Y. On va sur la barbe. Alors c'est marqué longueur des cheveux. Hein. C'est une traduction très... Hop, voilà. Bon après, vous mettez ce que vous voulez. On personnalise. Bon, moi je reste comme ça. C'est parfait. Si vous voulez changer de couleur, donc c'est simple, c'est le même système. Donc là, on est sur les cheveux, on est bien d'accord. Et à partir de là, hop, on met la couleur. C'est pas magnifique ça. Et la barbe, bah la barbe c'est la même chose. On va là, on valide, et c'est parfait. Voilà, on est tout beau. C'est tout simple. On accepte. Et voilà, on est beau gosse. Je voulais vous montrer aussi qu'on peut se peindre nous-mêmes. Alors c'est le même principe. On fabrique le pinceau. Voilà. Le clic gauche. Et à partir de là, on valide la couleur. Alors là, comment dire? Il faut avoir des doigts de fée. Mais vraiment, vraiment des doigts de fée. Faut tout peindre à la main. On peut faire une peinture de guerre. À peu près, comment ça se passe pour la peinture, pour le tatouage, pour la coiffure, pour la barbe. Comme ça, on se refait une petite beauté, tranquillou. Et il y a un autre truc que je voulais voir aussi, c'était l'histoire de la résine qui est super chiant à trouver. Là, la résine. Donc là, pour l'instant, on a trois composants qui font la même chose. Donc, on a la résine classique, on a le sucre, le miel, et le sucre, qu'ils appellent la gomme. Donc faut fouiller, parce que ça se présente vraiment dans plusieurs formes différentes. Donc voilà. Donc voilà pour ça, pour l'instant. Après, à voir en exploration ce que ça donne. Bon bah voilà, pour ce tuto, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.